Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais commencer par vous remercier d'être présents, si nombreux ce matin. Je voudrais commencer également par vous dire ma fierté, celle de la municipalité, d'être ivrien face à notre capacité de rassemblement par-delà nos différences. Ce nombre révèle le besoin d'une réaction collective, d'abord symbolique et solennelle, qui bientôt aura à devenir politique dans le sens le plus noble de ce terme. Depuis mercredi, nous vivons un véritable cauchemar. L'attaque meurtrière et obscurantiste menée contre la rédaction de Charlie Hebdo et les prises d'otages qui ont suivi ont coûté la vie à 17 innocents. Plus que le nombre, c'est la méthode qui fait froid dans le dos, qui a marqué chacune et chacun d'entre nous. Certains sont morts pour ce qu'ils ont écrit ou dessiné, d'autres juste parce qu'ils passaient par là, d'autres encore parce qu'ils faisaient leur métier de gardien de la paix, et d'autres enfin visés par un antisémitisme intolérable. L'émotion de notre pays, de notre peuple, est immense. La colère aussi, l'incompréhension surtout. Trois jours après la première tuerie, l'urgence est au recueillement. L'urgence est à l'affirmation de notre volonté commune de ne plus jamais voir se produire de telles folies. L'urgence est de clamer notre solidarité avec les victimes, leurs familles, leurs proches. L'urgence est au rassemblement du peuple de France. Depuis mercredi, un mot d'ordre s'est imposé. Je suis Charlie. Un mot d'ordre juste, qui révèle que c'est bien plus que la liberté d'expression qui a été attaquée. C'est notre peuple, notre République, notre droit de vivre bien ensemble, dans une société métissée et riche de sa diversité. Jusqu'à dimanche, date de la grande marche de recueillement, ce mot d'ordre doit nous unir. Dès lundi, et sans attendre, nous devrons travailler à la reconstruction de notre société. Un débat politique de grande ampleur devra s'engager. Car si la République, si notre peuple a pu être attaqué ainsi, ce n'est évidemment pas pour rien. Notre République va mal. Elle va mal parce qu'elle n'est plus garante de la liberté. Trop de pas ont été franchis ces dernières années dans la mise en cause de celle-ci. Les reculs démocratiques dans tous les domaines y ont conduit. Elle va mal parce qu'elle n'est plus garante de l'égalité. Nous vivons plus mal chaque jour pendant que certains vivent trop bien. Si nous vivons ensemble, c'est pour que notre force collective permette à chacun de vivre mieux. Elle va mal parce qu'elle n'est plus garante de la fraternité. Trop d'apprentis sorciers se sont engagés dans la division du peuple de France en cherchant à définir des ennemis intérieurs, les jeunes des quartiers populaires, les musulmans, les chômeurs, les Roms, etc. C'est ce poison de la division qui constitue une véritable fracture de notre société et qui a engendré les bombes à retardement qui ont explosé ces derniers jours. Nous devons résolument tourner le dos à toutes les formes de stigmatisation. Vous pourriez penser qu'avec ce discours, je sors de la logique de l'unité nationale. Je crois au contraire que je m'y insère totalement. Pas de responsabilité nationale sans politique. S'unir, comme nous le faisons aujourd'hui, ce n'est pas arrêter de penser. Ce n'est pas rechercher
le plus petit dénominateur commun. Bien au contraire. Aujourd'hui et dimanche, nous serons tous ensemble pour manifester notre colère, notre recueillement. Nous serons ensemble pour affirmer notre soutien à la démocratie et à la République. Le beau rassemblement de ce matin, dans la diversité de nos engagements, doit être un point d'appui pour relever la tête, pour agir contre le repli sur soi et pour dire bien haut, nous n'avons pas peur. Ce n'est qu'ainsi que nous ferons vivre notre République française, laïque, démocratique et solidaire.